Salut tout le monde, c'est ma première vidéo. Je vais essayer d'être très sympa et d'être un peu plus motivée. C'est ma première vidéo dans la chaîne YouTube. Je vais pouvoir vous montrer mes affaires d'équitation. Cette vidéo va être pour préparer mes affaires d'équitation, pour les montrer. Car samedi, je vais faire une journée au club et j'essaierai de vous faire quelques petites parties, si possible. Donc là, je vais aller vers la porte, sortir de la porte, sortir de la chambre. Descends les escaliers, aller dans le garage, je vous montre mes affaires que je vais prendre. Bien sûr, je vous montre pas le dîner et tout ça. Désolée pour le silence que vous avez eu. Parce que en fait, on est un peu le soir là. Et là-bas, je devais pas être en bas. Car là, je suis descendue là. Donc là, c'est un peu serré. Et je voyais beaucoup de noir dans cette vidéo. Mais c'est la première fois. Je sais même pas comment mettre en pause. Et tout. Hein. Enfin, la première fois que j'en fais une. Donc voilà. Voilà, comme dirait Liz and Chichon. Voilà. Enfin arrivé. Donc ici j'ai ma caisse de ponçage. Donc je vais ouvrir. Si j'ai ouvert. Donc ici j'ai mes affaires. Donc là vous voyez du rose. Mais normalement lui il est vraiment rose, mais pas un rose comme ça. Et lui il est le rouge. Donc parce qu'il y a beaucoup de clarté. Là je sais pas si vous voyez vraiment du rouge. Attendez. Voilà, là c'est un peu plus rouge. Donc c'est mon pur pied rouge. Hop. Ma brosse de dernière minute quand elle est saletée, comme ça je suis comme ça. Donc, par contre, je suis reposée. Hein. Je m'excuse. Okay. Ensuite, j'ai ma brosse pour la tête. Je sais plus comment elle s'appelle. Il y a beaucoup de brosses que je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez la paille, c'est normal. Voilà. Ça se voit que je fais l'équitation. Hein. Voilà. Ensuite, j'enlève ça. Il va un peu noir, là, désolé. Parce que j'enlève le truc et puisque là, il n'y a pas beaucoup de place. Donc voilà. Ensuite, désolé, hein, franchement, c'est ma première vidéo. Je sais hein, pas du tout comment on fait et tout. Donc je m'excuse pour les bruits. Et donc là, j'ai mon licol. Un peu rose saumon, et encore c'est pas vraiment du rose saumon, c'est un rose très très clair. Je vais pas vous montrer, attendez, laissez-moi un peu le fermer pour que je puisse vous montrer. Je vais mettre un maximum, comme ça je pourrais mieux le tenir, normalement. Hop, donc je ferme pas totalement, je ferme comme ça quoi. Hop, avec ma longe. Donc déjà c'est un peu long hein, mais... Donc... Comme ça, c'est ok. Écrit Poney Game. Car en fait, ça j'ai eu avec. Parce que j'ai une amie, en fait, elle faisait l'équitation au moment de la rentrée. Parce qu'en fait, c'était juste pour du loisir. Comme ça, pas vraiment pour du loisir, quoi. Mais au moment elle a arrêté. Il y avait le Poney Game. Après, à l'école, c'était écrit Poney Game. Voilà. Donc ici, c'est un bouchon. Je suis un peu haut, hein, mais c'est pour que vous ayez bien la bonne couleur. Donc c'est vert, voilà, un bouchon. De la marque Cobrush, je crois bien, attends. Ouais, Cobrush. Cobrush, à mon avis. Donc je ne vous ai pas toutes les mains parce qu'en fait, j'aurais un peu du mal. Ici, une brosse à crin Oster. Oh, c'est chiant, ça fout un peu. Toujours. Voilà. Ici, j'ai une étrille. Voilà, donc attends. Parce que je sais pas si vous voyez bien la couleur. Donc c'est du bleu un peu marine. Du bleu marine. Voilà, une plaque un peu sale. Parce qu'en fait, je vais la laver seulement demain matin. Ou demain soir, voilà, en fait, quand j'ai le temps. Non, c'est demain que je pourrai laver mes affaires. Enfin, laver. Brosser ou voilà quoi. Ici, c'est ma brosse douce que j'adore. Parce que j'en ai deux. Hein.
J'en ai une low, là, sur le côté, là. Et une, du coup, celle que je viens de vous montrer. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer là? J'ai toujours ma brosse à massage. Je fais toujours ça avant ou après le cours. Avant, c'est quand j'ai un cheval ou un poney ou ce que vous voulez, qui est un peu embêtant, qui est très stressé à chaque fois que je fais ça. Ensuite, ici, là, j'ai la partie de la croupière de ma selle que j'ai dû enlever. Voilà. Et je prends toujours par précaution un paquet de mouchoirs, comme à mon avis, presque toutes les personnes qui sont cavalières. Je range. Même mon lico, je vais le ranger. Franchement, je m'essuie pour je ne sais pas la combien de fois que je vous ai dit. Je m'essuie vraiment quand il y a beaucoup de noir que je vous fais. Parce que j'ai pas du tout l'habitude. Voilà, donc là, je vais me mettre sur le côté. Comme ça, vous pourrez mieux voir. Voilà. Donc ici, j'ai ma belle selle. Trop magnifique. Donc je peux faire du dressage, du saut, de la balade. Mais la balade, j'évite un peu parce qu'elle est quand même neuve. Voilà. J'ai eu deux sangles, une plus grande et une plus petite. Elle n'est pas une taille Shetland, hein, pour ceux qui demandent. Mes étriers qui sont bien mis. Je ne sais pas comment ça s'appelle quand on met comme ça. Je crois qu'il y a un prénom. Bah, un prénom, un nom. Voilà. Donc je viens ici. Voilà, donc ma belle selle. Oui, je sais, c'est une étiquette, hein, mais bon. C'est volontaire. En fait, là, il y a plein de trucs là, mais bon, c'est parce que c'est quand même neuf, du coup, on n'a pas eu vraiment le temps. Voilà, ici, on y a. Ouh là là, ici, il y a ma bombe là. Mais elle est encore dans mon sac. Parce que le jour que je suis revenue de l'équitation, j'étais hyper crevée. Il faisait presque nuit, je pouvais. Genre en fait, quand j'ai rentré, j'avais à peine le temps de mon manteau, tout ça, de ranger mes affaires à peu près comme il faut, et d'après aller manger, me laver, tout ça. Voilà quoi. Après, on devrait prendre mon temps, quoi, mais bon. Donc, ma bombe, que grâce à ma vidéo, je pourrais enfin la mettre là. Car en fait, depuis samedi dernier, elle est après là-bas. Et on est du coup jeudi. Donc ici, j'ai mon sac congélation que je vais prendre pour mon dîner. Dedans, je vais mettre ma boisson, mes trucs, voilà quoi. Je vous donnerai les détails demain ou un autre jour quand je vous ferai une vidéo de ma présentation de ce que je vais prendre là-bas. Donc là, c'est juste ma présentation de mes affaires d'équitation, moi. Je ne vais pas plus loin. Ou plus loin. Ensuite, ici, j'ai mon sac que je mets à faire. Mon bac qui n'est pas du tout plié. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu vraiment le temps. Hop. Ici, j'ai ma selle. Ma selle, mais qu'on s'en sert pour ma soeur quand elle vient faire du poney, des fois. Voilà. Ou bien quand des fois je balade. Après, bien sûr, j'ai des tapis. Je vous montrerai car là, je vais remonter. Pour pouvoir vous montrer et puis comme ça vous comprendrez. Voilà. Donc là je vais devoir vous laisser dormir 5 minutes. Même pas. Je vais me prendre comment elle est. Donc voilà. Je vous laisse pendant même pas 5 minutes. Donc j'arrive.
Voilà. Voilà. Donc, je remonte. Donc, franchement, attendez. Wouhou. Désolé pour le bruit des machines, hein, parce que je devais aller dans la salle de bain pour parler, parce que sinon, on allait me tuer. Et du coup, on a vu à un moment, j'ai dû entendre des bruits de prout, car en fait, ma soeur, elle écoute une chanson, elle regarde aussi une vidéo qui est avec, des bruits de prout, quoi, c'est dégoûtant. Je vais maintenant vous présenter mes lapis. Qui est bleu. Il est magnifique. Voilà. Ici, j'ai mon tapis gris avec du rose de la marque Uganza. Et de l'autre côté, ce que je préfère, c'est ça. I love you. Après, j'ai mon tapis noir qui est là-bas. Je vais vous montrer. Ah, donc, mon tapis noir. Mon tapis noir. Quoi? Ah non. Quoi? Bon, je viens d'apprendre qu'en fait, ma mère, elle l'avait mis dans un panier pour qu'elle puisse penser à le laver. Donc ça veut dire que je ne pourrais pas vous le montrer. Donc je m'excuse pour les petits moments que vous n'avez pas très apprécié. Mais c'est la première vidéo, j'essaie de faire vraiment tout ce que je pouvais. Donc faites un max, essayez de vous abonner. Donc abonnez, partagez, commentez et likez surtout. Allez, ciao ciao. Bye.